Bonjour les amis, c'est Stage Prod, bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque c'est un unboxing high-tech, mais en même temps, on va, et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, casser les codes du karaoké professionnel. Alors, je vous arrête tout de suite avant de commencer, je suis pas là pour vous dire oui, il faut plus aller forcément dans les lieux où on fait du karaoké, mais aujourd'hui, je vais vous montrer que le karaoké professionnel, et j'ai bien dit professionnel, est accessible à tous. Aujourd'hui, tout le monde pense que oui, mais aujourd'hui, si on veut faire un bon karaoké, on doit aller dans des lieux où on fait des karaokés, que le matériel professionnel coûte cher et que c'est impossible de faire un bon karaoké à la maison entre amis, en famille ou dans des événements privés qu'on a envie de faire un anniversaire, on a envie de faire un karaoké, on se dit ouais, il faut faire appel à des professionnels. Eh bien non, je vais dire non et renom parce qu'aujourd'hui je trouve que souvent les gens mettent un petit peu ce côté en mode oui, mais c'est réservé qu'aux pros, faut avoir du matos pro, sinon c'est de la merde. Non, oui, c'est vrai que vous achetez du matériel des fois dans certains endroits, on voit des kits de karaoké avec le micro, les DVD, bon, c'est sympa, mais c'est sûr que vous n'avez pas le bon rendu au niveau du côté micro. Par contre, au niveau du son, après ça dépendra de si vous utilisez bien évidemment sur un téléviseur, souvent avec un lecteur DVD, puisque c'est ça, ou une console de jeu, c'est vrai que c'est sympa. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer, on va voir dans ces vidéos, une solution pour faire du karaoké professionnel, autant bien dans du son, dans du micro. Et en plus de ça, on va parler d'une application que tous les professionnels utilisent et qu'en réalité, elle n'est pas réservée aux professionnels. Donc, restez bien au bout de cette vidéo, vous allez voir que c'est simple d'accès, c'est facile et surtout à moindre coût et sur du long terme. Fini de se dire que le karaoké, c'est dédié qu'aux professionnels et que si on veut faire un bon karaoké, il faut aller dans les lieux. Pour le côté convivial, oui, mais si demain matin, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, et c'est aussi à ces personnes-là que je m'adresse, parce que oui, aller dans des lieux, des fois, c'est pas gratuit. Il faut soit consommer, bien évidemment, parce que des fois, il y a une conso obligatoire. Ou alors, des fois, la console n'est pas obligatoire, mais l'entrée dans le lieu est payante parce que c'est un lieu dédié à cet endroit-là, donc au karaoké. Donc oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans des lieux pour faire des soirées karaoké ou dédiées au karaoké, c'est vrai que là, la solution que je vais vous apporter, elle est là, elle est simple d'accès. Vous allez peut-être avoir un petit billet à mettre au départ, mais quand je dis un petit billet, vous allez voir qu'on est sur quelque chose à moins de 100 €, j'ai bien dit moins de 100 €, donc vous allez voir que c'est intéressant si vous faites le calcul sur le long terme au fil des soirées, les boissons, etc. Ça peut être rentable et même beaucoup plus. Donc restez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est maintenant. Avant de continuer plus loin, dans cette pochette, et ici vous pouvez voir un boîtier, comme ça vous allez dire, ouais mais c'est quoi ce boîtier? Là, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, ce boîtier, il y a un petit logo ici et c'est le logo de chez Sennheiser. Sennheiser, c'est une marque professionnel que j'utilise depuis des années, autant bien dans l'audio avec les casques, mais aussi dans les micros, puisqu'ils font les deux. Référence notamment au HD25 pour le casque de chez Sennheiser. Et aujourd'hui, j'utilise ce micro qui est juste incroyable, le XS Wireless, qui est un micro professionnel. Quand vous avez un micro comme ça, c'est 250 balles un micro comme ça, avec le récepteur et les câbles, etc. Oui, c'est peut-être un prix, mais effectivement, pour les professionnels, c'est sympa. Aujourd'hui, c'est pas ce micro ni cette solution-là que je vais vous présenter, mais ça, je voulais vous le montrer parce que c'est du matériel professionnel que j'ai dans mes soirées, que j'utilise bien évidemment quand je fais des événements. C'est mon micro au quotidien professionnel. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé clairement quelque chose qui s'en rapproche, quelque chose qui est une solution, vous allez le voir, un système tout en un, tout équipé. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir des trucs comme ça, parce que ça c'est ce qu'on va se prendre en référence pour les karaokés, on peut utiliser ça pour un karaoké, pour de la scène, enfin c'est des micros vraiment plus pour de la scène, mais moi ça peut me servir pour un karaoké. Enfin voilà, quelqu'un qui me dit ouais, j'ai un pack avec des micros pour le karaoké, mais ceux qui utilisent un micro comme ça, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai que là, moi, j'ai plus utilisé en tant que DJ, en tant que pour de la scène, pour le karaoké. Je dis pas que c'est pas bien, mais disons que il mérite mieux que de faire des c'est un karaoké de luxe avec un micro comme ça. On va pas se mentir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai découvert un produit à Noël. J'ai offert ça au mari de ma cousine. J'ai offert quelque chose de fort sympathique. Ils aiment bien faire la fête et j'ai trouvé quelque chose pour faire du karaoké en mode professionnel tout en ayant un coût très,
très très bas et vous allez voir que c'est très intéressant. Allez, on y va parce que vous allez voir dans ce petit paquet qui est là, qui trône de moi, depuis derrière moi, et ben c'est génial. Alors c'est un cadeau que j'ai fait à ma maman parce que quand elle a vu le cadeau que j'ai fait au mari de ma cousine et qu'il a grave aimé et qu'ils ont bien aimé, ma mère a eu un coup de cœur, elle m'a dit mais waouh, mais moi aussi j'en veux un. Ma mère est très fêtarde aussi et du coup, et ben il est là, je l'ai acheté et du coup j'avais envie de vous le présenter parce que clairement c'est un super produit et c'est maintenant. Allez, on y va, on tarde plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros paquet bleu? Ben, vous allez le voir. Déjà, c'est un produit qui vient d'Amazon, mais vous pouvez le retrouver aussi en grande surface, puisque j'ai été surpris, je l'ai retrouvé à Auchan. Donc, je suis assez surpris de voir que c'est un produit accessible. La marque est très connue, puisqu'on va le voir dans un instant. C'est une marque qui vend du matériel pour faire de la sono, pour faire de la lumière, enfin, pour des jeux de lumière. Et ils vendent plein de produits festifs. Et on va parler de cette marque que vous connaissez peut-être. C'est Ibiza Sound. Regardez-moi ça. Alors là, déjà, rien que quand j'ai vu le packaging, maman, regardez-moi ça. Ce produit est juste incroyable. Karaoke. Karaoke, ou comme vous voulez, mais c'est karaoke. Hein, voilà, enceinte. Karaoke Home BK, donc black, parce qu'elle existe aussi en blanc. Pour le produit, je suis alors totalement bluffé par les caractéristiques techniques du produit. J'ai dit, faut que je le teste. Et comme j'ai fait ce cadeau-là, me plaisait bien pour faire ce cadeau-là que j'ai fait, comme je disais, au mari de ma cousine. Quand je l'ai testé avant de l'offrir, j'ai fait, mais what? Maman, viens voir, c'est quoi ce produit? Et ma mère est totalement tombée amoureuse. Donc, du coup, je lui en ai offert un et il est là. Donc, bien évidemment, on va faire un petit tour du packaging. Déjà, très sympathique, cette petite box. On sent qu'il y a un produit dedans. Hein. C'est pas un truc léger, c'est pas des enceintes cheap. Parce que ça m'est arrivé avec mon meilleur ami, on avait acheté une enceinte basique, pas une grosse marque, hein, une sous-marque qui voulait une enceinte portable en mode Bluetooth. Et l'enceinte était hyper balèze au niveau du packaging, un gros produit. Et en fait, je l'ai soulevé. Avec un doigt, j'aurais pu le soulever, quoi. Le truc était très light, il n'y avait rien dedans. Donc, l'ensemble qu'on a un produit, quand même, qui pèse un peu son poids. Je dis pas que c'est un truc qui fait 3 tonnes, hein, mais on sent qu'il y a un produit qui est quali derrière et ça, ça fait plaisir. Alors, ce qu'on nous dit déjà sur le produit, Sound en 180, donc il y a une enceinte qui fait 180 degrés, donc ça, c'est plutôt cool. On nous dit Wireless Connection, Bluetooth. Hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc ça, plus le coup, on montre un ordi, on nous montre un smartphone, une tablette, un écran de télé pour vous dire, voilà, le produit est vraiment, on peut le connecter partout. On nous explique plein de petites choses en bas avec des logos. On nous dit qu'il est batterie rechargeable, donc il est sur batterie, auxiliaire jack en 3,5, hein, standard. Un port USB, bah oui, on peut brancher une clé USB. Vous allez voir que c'est impressionnant. Une micro SD, il y a deux micros inclus et on dit qu'il est Bluetooth. On a sur le côté droit des informations, donc on va les lire un petit peu. Donc on dit que c'est un karaoké, une enceinte donc de karaoké de 120 watts. Oui, vous avez bien entendu, j'étais surpris par la puissance de cette enceinte. C'est pas non plus le truc oufissime, mais déjà 120 watts dans un petit appartement ou dans une petite maison pour faire ça entre amis, vous allez voir que c'est déjà pas mal. On nous dit que donc c'est une enceinte nomade très polyvalente, vous pourrez l'emmener et l'utiliser partout et ça va créer le buzz, hein, voilà. Et ses différents effets lumineux, donc oui, vous allez voir que l'enceinte est lumineuse et sa qualité sonore et sa facilité d'utilisation. Et donc là, je vais confirmer que oui, vous allez voir, il y a une bonne qualité sonore. On nous dit donc bien évidemment les sources pour le brancher. On a du Bluetooth, de l'USB, du micro SD. Pour mettre une petite micro SD. Vous avez une entrée auxiliaire et coaxiale. Alors l'entrée jack, c'est cool, mais alors l'entrée auxiliaire, les gars, enfin l'entrée auxiliaire, donc l'entrée classique en jack, avec en plus une entrée en coaxiale, les gars, mais c'est plus une enceinte, c'est un truc avec toutes les connectiques, il manque plus que du RCA et on est sur le produit qui est le must du must. Franchement, je trouve ça super cool. Mais sachez que je vais vous donner une petite astuce, hein. On verra dans un instant comment brancher, parce que du RCA on peut. Mais pas forcément en mode bah, RCA, plutôt RCA jack, mais ça on le verra juste après. Bien évidemment, donc vous avez une fonction écho sur les micros et reverb, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si vous voulez vous prendre en mode, allez ce soir c'est José Bordi, ça va résonner, c'est énorme. On a bien évidemment 5 effets vocaux qui transforment la voix d'homme en voix de femme et inversement, donc c'est-à-dire qu'une femme peut se transformer en homme et un homme en femme. C'est assez rigolo, vous allez voir. Voix de monstre, voix d'enfant et effet reverb. Donc, que dire de mieux? On nous montre ici les connectiques sur l'autre partie du produit. Pas de Bluetooth. Connectez le karaoké à vos écrans via les câbles. Alors, les câbles ne sont pas fournis, mais c'est un câble jack, ça se trouve partout.
bien évidemment, un câble coaxial ou câble stéréo. Vous pouvez la connecter, voilà, TV not connected, you have TV non connectée, vous avez possibilité d'utiliser une smart box pour une TV avec de l'HDMI. Enfin, vous avez voilà, la possibilité de brancher sur de divers appareils qui ont des sources de branchement audio. Alors, on va l'ouvrir, parce que je l'ai déjà ouvert, mais on va l'ouvrir. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis totalement bluffé par ce produit parce que la qualité de ce produit est juste incroyable. Donc quand on l'ouvre, hop, on ouvre ici, il est très bien emballé avec du petit, la petite mousse comme ça. C'est une grosse plaque rembourrée de mousse. On a directement l'enceinte qui est directement visible, donc je la sors. Voilà, on a un petit poids et on a la boîte avec les accessoires. On n'a rien d'autre, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ce produit-là. Franchement, je suis extrêmement bluffé. Alors, hop, je sors directement, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que vous allez voir, qu'on va faire des trucs de ouf avec cette enceinte. Donc, l'enceinte. On va commencer par l'enceinte, je vais vous la montrer un petit peu, puis on reviendra sur les accessoires. Une enceinte très épurée, qui est magnifique avec cette enceinte en 100, avec ce 180 degrés pour la sortie du son. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ici, on va voir quand on l'allume, mais il y a de la LED tout autour. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. On a une espèce de petite molette, voilà, avec un petit blocage. On peut pas la tourner complètement. C'est pour vraiment savoir quand on est au début et à la fin. Avec, bien sûr, c'est l'enceinte, donc la partie du volume. On a le bouton power. On a un petit bouton pour la lumière. On a les boutons de retour et d'avance en arrière, un peu classique avec le play pause. On a un bouton pour moins en écho et plus pour l'écho. Et on a en plus là le bouton tone pour changer la voix. Donc que dire de mieux? On a ici, on voit le trou de l'enceinte de subwoofer pour montrer, voilà, il y a quand même des basses. C'est pas un truc qui va, mais ça peut faire réveiller les voisins quand même, hein, parce que vous êtes dans un appartement. Je trouve que ça en boîte, ça tape bien. À l'arrière, on a l'entrée coaxiale, une entrée auxiliaire, donc classique en jack, le port USB pour brancher une clé USB. Bien évidemment, on a un micro, la carte de micro SD, donc l'emplacement peut être pour lire comme un baladeur audio, tout simplement. Et on a un dernier port que j'ai pas cité, qui sert uniquement pour le rechargement, et ça j'adore, c'est de l'USB-C. Vous allez voir que cette enceinte s'alimente en USB-C vers USB classique. On reverra sur juste le point, un petit point négatif, mais il n'y a pas grand chose sur cette enceinte de négatif à dire, si ce n'est que on a un seul câble, mais vous allez comprendre pourquoi, et on n'a pas de chargeur, mais ça reste classique aujourd'hui en 2024, parce que même en 2023, on avait déjà pas mal de produits qui n'ont plus de chargeur. Et ça, je pense que tout le monde a un chargeur USB à la maison, on peut en trouver n'importe où, vous allez dans des grands magasins, ou même Action, des trucs comme ça, pas très cher, il faut juste un truc un peu classique, voilà, pour pouvoir recharger le produit. Vous pouvez aussi avoir, comme j'ai sur le bureau ici, un boîtier qui est alimenté sur une prise secteur et qui permet de brancher des objets en USB. Donc ça, c'est plutôt cool pour recharger. Donc ici, on a une petite notice, mais ultra rapide, un manuel, voilà, qui est en français d'utilisation. Voilà, vous voyez qu'il y a même le produit en blanc dessus pour montrer les deux modèles. Voilà, c'est un truc standard. Vraiment les fonctions de base avec un petit QR code pour avoir quelques informations bien évidemment sur le produit et pour aller sur la page d'Ibiza Sound. On a ici, on va le voir dans un instant, les micros qui sont très, mais alors très quali, je trouve que pour le côté de ces micros, voilà. Alors on a ça, on va le voir un instant, c'est un petit support que vous allez pouvoir regarder, clipser comme ça sur le côté de l'enceinte, hop, et au cours de la soirée, quand vous ne vous servez pas du micro, hop, vous le mettez dessus. Alors, je vous dis pas que c'est le truc, voilà, il faut pas se couper l'enceinte de ouf, hein, mais voilà, vous voyez, ça tient quand même plutôt pas mal. On va prendre le deuxième micro, on va faire pareil, donc on va l'installer en mode comme si on l'utilise. Hein. Clairement, on va se faire un petit setup sympa. Donc, je clipse pareil de l'autre côté de l'enceinte. Alors, il y a un sens, hein. Hop là. Sur la poignée, hop, voilà. Il n'y a pas de clip, vous l'entendez pas. Hein. Voilà, ça se glisse, ça se coulisse simplement. Et ça, j'aime beaucoup. Et on va récupérer. Et c'est là. C'est le point négatif parce qu'on va commencer peut-être par ce point-là. Vous avez un câble USB type C, vous allez dire oui, mais c'est bon pour charger enceinte. Vous ne l'aurez peut-être pas compris, mais je vais rajouter un truc très important. C'est ce micro et les deux micros se rechargent en USB type C. Et on a entre 5 et un peu plus de, j'ai dit combien, que je vous dise pas de bêtises sur le produit. On est vraiment sur un produit qui a une très bonne autonomie. Puisqu'on est sur une autonomie entre 5 et 6 heures, voilà, il faut compter entre 3 et 5 heures de charge.
sur l'ensemble du produit avec les micros bien évidemment, et vous avez entre 5 et 6 heures d'autonomie. Donc je trouve ça plutôt cool, parce que à quel moment une enceinte nous propose 5 à 6 heures d'autonomie comme ça? Alors il y en a bien évidemment, hein, sachez, il y en a plein des produits, mais sur ce genre de produit là, je trouve que 5 heures à 6 heures d'autonomie, pour ce que c'est, eh ben vous allez voir que c'est plutôt cool. Alors hop, on pose la petite boîte ici et on va voir le produit, on va le connecter et c'est parti. Donc ça y est, on a sorti le produit, vous l'avez vu. On va l'allumer. Alors il y a un petit son, vous allez voir, démarrage, j'adore. L'enceinte s'en jaille toute seule. Hein. Il y a des produits qui font ça, mais j'adore. Ibiza Sound. Alors, comme je suis sur mon Mac, normalement, est-ce que c'est le Mac qui prend la main ou pas? Karaoke Home, je me connecte dessus. Voilà, vous avez le petit bigling. Voilà, donc là, on est paré. Alors, ce que je vais faire, je vais baisser le volume à balle pour pas avoir de problème. On va allumer le micro, on va en prendre un. Alors, oula. Alors, il y a un truc que je vais citer, c'est qu'on peut pas régler le volume du micro, ce qui est un peu dommage. Après, c'est l'enceinte qui gère. Hein. Alors, on va changer la voix. Okay. Alors, vous avez vu, il y a les effets, hein, reverb. Okay. Oh putain, alors ça c'est la voix, pardon, ça c'est la voix d'une femme. Donc bonjour, je suis Martine, 33 ans. Ok, bon bah voilà, c'est une voix un peu spéciale. On va revenir un peu en mode. Alors, on va pas être trop près de l'enceinte. Vous voyez que si vous êtes trop près de l'enceinte, c'est du Larsen. On va enlever, voilà, on va enlever l'écho. Donc voilà, on est en mode sans écho, sans rien, c'est plutôt bien. Voilà. Et c'est vite que vous voyez, il y a moins de Larsen quand je suis près de l'enceinte. Alors, ce qu'on va faire, je me suis mis sur YouTube, j'ai pris un karaoké. Donc j'ai pris un titre, bien évidemment, que j'aime bien. Hop, on va donc le lancer. Et vous allez voir que c'est parti. Je vais monter le son progressivement de cette enceinte et vous allez être surpris. Ok, je monte tranquille, hein. Un petit lobby à l'ancienne avec ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Je monte le son, je monte tranquillement et je vais à fond. C'est parti. On est à fond. On se connaît depuis quelques temps. Même si on se parle peu souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. Je te sens, ne vis sous le moindre secret. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. N'importe où, quand tu voudras, je serai toujours la même. Alors attendez, hop, je coupe. C'est un truc de fou. Parce que vous avez vu, alors là, encore une fois, c'est encore des réglages, bien évidemment, sur l'application. Mais j'ai monté le son de cette enceinte. Et donc là, vous avez vu, avec mon petit deck de chez Loopdeck, j'ai pu baisser le volume sur le Mac directement. En mode, voilà, pour vous montrer que j'ai baissé là. Alors, c'est un réglage, encore une fois, de l'enceinte. Là, je vais pas crier de ouf, bien évidemment, dans le micro de l'enceinte. Je vais l'éteindre. Hop, deux secondes. Hop. Alors, petit bouton en façade. Hop, on l'éteint. Voilà. Donc là, il est éteint. Donc en fait, ce que je vous explique, c'est que moi, j'ai pas crié là, on est dans mon studio. Mais c'est vrai qu'effectivement, je trouve que la qualité du son est incroyable. Et donc là, j'ai réglé le volume. C'est à vous d'ajuster la musique en fonction de votre voix. Voilà, après, si vous avez une voix que vous allez crier fort, je sais d'où, vous voyez, s'il y a une voix qui est quand même assez forte, désolé si j'ai crié et que je vous ai un peu surpris. En vrai, de vrai, c'est pour vous montrer que voilà, il y a ce côté-là. Donc, je trouve que le produit est très, très bien quali. Alors, on va en voir un petit détail. Regardez, je vous montre un petit peu là, qui n'a rien à voir, mais on parlait de la lumière. Donc, vous voyez, vous pouvez changer la lumière. Donc, ça, c'est le petit mode assez sympathique. Mais on va continuer sur le produit parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est gadget. Hein. La lumière, pour moi, c'est le côté voilà qui sert à juste donner du fun dans vos soirées avec votre façon de... Donc, voilà, vous changez la lumière en fonction du produit. Donc là, on est toujours connecté. Donc là, je suis à fond, hop,
Donc ça, c'est pour la première partie de cette vidéo. Donc vous avez vu, vous avez une enceinte qui est vraiment top, quali, etc. Maintenant, on va brancher, j'ai ici une petite clé USB, classique MP3, avec du son bien en MP3, on va la brancher, regardez ce qui se passe. Hop, on prend à l'arrière le produit, on branche, alors, hop. Music Play Motor. Je viens de brancher avec l'USB, vous attendez deux petits instants, donc il y a du son dedans, il y a des fichiers, il y a un peu de tout. Et elle va charger de les lire. Hey. Relation à sens unique de mon ami Philippe Métura. Petit son, voilà. Hey, c'est énorme. Hey, le son est énorme, il est propre, il est calé. C'est, alors vous pouvez changer, après on va changer de son, après on passe au morceau suivant. On change, hop, bim. Qu'est-ce que je vais devenir, à quoi ça sert, selon médiatique, tout ça pour plaire. Et hop, on va revenir en arrière, pardon, hop. Qu'est-ce que je vais te... Hop, je voulais mettre pause, voilà. Donc vous avez vu que le panneau de contrôle sur l'enceinte est super bien, la clé USB elle est mise à l'arrière, alors... Ne secouez pas votre appareil pour abîmer votre clé USB, bien évidemment. Mais voilà, regarde, je vais en mettre play. On y va. À quoi ça sert, ce nom médiatique, tout ça pour plaire, et à quoi bouffer, tout ça... Alors maintenant, on a l'enceinte, on a les micros, mais on n'a pas le karaoké, et c'est là que je vais venir casser les codes. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Tout le monde pense que j'ai fait du karaoké, avec YouTube, bien évidemment, seul YouTube, vous pouvez retrouver des karaokés, mais vous n'en avez pas assez. Il y a une chaîne YouTube que peut-être certains ont déjà vu passer et que vous vous êtes dit, ouais, mais c'est là que je vais aller, je suis sûr que je vais trouver tous les titres. Eh bien, oui, mais non, parce que cette chaîne YouTube, qui est donc celle de Carafun, n'est pas au complet, parce que oui, il y a beaucoup de titres. Alors, on va aller clairement sur la chaîne, on va regarder si je peux avoir les infos. Des vidéos, il y a 1500 vidéos. Contrairement qu'à Toc, qui doit avoir au moins plus de 10 000 titres ou je ne sais quoi. Vous avez des titres assez classiques, c'est gratuit. Bien évidemment, je vous invite à passer par leur chaîne YouTube quand vous avez envie de vous éclater. Mais aujourd'hui, si vous voulez un catalogue plus enrichi et professionnel, Carafun dispose d'une application qui est disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur Android, iOS, donc c'est-à-dire sur vos smartphones et tablettes. Hein. Si vous êtes sur un iPhone ou sur Android, n'importe quel smartphone, n'importe quelle tablette, ça fonctionnera sans problème. Et pareil pour l'iPad. Vous pouvez le télécharger sur le Mac, comme ici, vous avez vu, j'ai un Mac dernière génération, ça fonctionne très bien. Vous pouvez l'installer sur Windows, parce que oui, moi je l'utilise sur un Windows, puisque mon Mac ne se transporte pas. Donc je l'utilise sur un Windows portable, ça fonctionne très bien avec un Windows 11, il n'y a aucun problème. Le logiciel est totalement gratuit. Après, vous allez avoir des offres d'abonnement dans le gratuit, vous allez avoir des chansons gratuites, un petit peu le catalogue de YouTube en quelque sorte, et dans la partie payante, qui est pas chère du tout. Vous allez avoir plein de titres en limité pour seulement 7,99€. Le catalogue est totalement complet et gratuit pour seul. Enfin, quand je dis gratuit, il est totalement complet et accessible à partir de 7,99€. Et en mode gratuit, bah, vous en avez un peu moins, comme je le disais à l'instant. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous avez un vrai produit qui est complet pour seulement 7,99€. Oui, mais 7,99€, c'est pour combien de temps? Leur offre a été revue puisqu'il y avait des offres qui étaient disponibles pour le week-end. Alors moi, j'aimais bien pour ceux qui voulaient simplement le week-end. Mais c'est vrai qu'on était quasiment en dessous, je crois, à 5€, un truc comme ça, c'était pas très cher. Et finalement, juste pour le week-end, c'est sympa. Mais vu que leur prix en illimité pour le mois, j'ai bien dit le mois, est à 7,99€, bah autant prendre pour le mois, donc cette offre a disparu, mais peut-être qu'ils reviendront avec une offre comme ça, mais je trouvais que ça c'était super bien, parce que du coup, bah vous voyez quoi, 8 balles, alors il y a une version pro, mais oui, mais c'est quoi la différence entre la version pro à 49€ et à 8€? La version pro, c'est pour ceux qui vont vraiment vouloir l'utiliser en mode avec quelques fonctions supplémentaires, personnalisation de l'interface, même si on peut le faire sur certaines choses, mais QR code pendant la soirée pour partager, voilà, vous scannez, etc. Mais en vrai de vrai, même nous, on peut utiliser certaines choses et tout n'est pas
bridé sur la version 7.99, mais disons qu'après c'est plus pour des gros événements, avoir des trucs un peu plus poussés. Et là, vous allez voir que même en version premium à 7.99, vous allez pouvoir notamment faire pas mal de petites choses. Vous pouvez envoyer, donc vous connectez, envoyer au DJ ou à la personne qui va directement depuis l'application vos titres, donc qui rentrent dans la playlist. Vous vous connectez, vous dites bah voilà. Vous avez scanné le petit QR code, vous scannez, vous envoyez le titre que vous voulez chanter, vous mettez votre prénom et le prénom de la personne si vous faites un duo. Ça s'envoie directement sur l'ordinateur du DJ ou de la personne à qui vous faites la soirée. Et c'est pratique. Donc en vrai de vrai, un karaoké professionnel à la maison, bah oui, c'est accessible. Alors, 7,99, vous allez me dire, ouais, mais ça, ça coûte au moins 200-300 balles. C'est une enceinte professionnelle, c'est un truc super... Non ! Arrêtez ! On a dit dès le début de cette vidéo, on est en dessous. Et vous êtes sur un prix à 100€ pour ce produit, vous avez bien entendu 100€. Alors oui, c'est un produit qui est vraiment pas cher, puisque vous êtes au-dessous de 100€ et on est exactement à 80€. Voilà, oui, j'ai dit 100, mais non, c'est 80€. 79€ exactement, 99 sur Amazon. Alors les prix varient un petit peu, regardez voilà où vous l'achetez. Mais c'est le prix que j'ai payé et je trouve que la qualité, c'est ouf. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que vous êtes sur une enceinte professionnelle à 79,99€, enfin à 80€ à un centime près. Clairement, voilà, je sais pas quoi dire. En fait, j'ai été très bluffé par ce produit parce que comme vous avez pu le constater, on a un produit qui est quand même haut de gamme. On a une qualité, c'est la marque Ibizasun. Hein, clairement, je vous la recommande. Moi, j'avais déjà eu du matériel. Mon meilleur ami, il a une grosse enceinte professionnelle de la marque Ibizasun qui marche très bien. J'ai utilisé avec mon matériel Pioneer DJ. Je peux vous dire que ça envoie du très lourd. J'ai déjà eu des jeux de lumière, du matériel, machine à fumer, ce genre de choses. Et j'ai jamais été dessus cette marque-là. Et quand j'ai vu ce produit-là, parce que j'avais déjà un petit peu cette idée-là d'un kit un peu de karaoké comme ça, j'ai vu des petits trucs et je voulais voir ce que ça valait. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une idée de cadeau. Et je suis allé vers cette marque-là parce que le produit m'a beaucoup hypé en termes de design. Mais quand j'ai vu les caractéristiques techniques, clairement, on va pas se le cacher. Alors, comme je le disais, on peut l'associer avec l'application Carafun. Bien évidemment, il y a d'autres après logiciels peut-être de karaoké, mais c'est la plus connue. Et oui, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux professionnels. Arrêtez de me dire oui, voilà. Non, non. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire des karaokés, que vous êtes vraiment des passionnés, bah aujourd'hui, au lieu d'aller forcément toujours dans des lieux qui va vous coûter peut-être une somme un peu astronomique, bah là, c'est accessible pour tout le monde. Vous allez chez vous, vous allez chez des amis, vous emmenez cette enceinte-là, vous avez votre petit abonnement sur votre smartphone que vous pouvez vous connecter de n'importe quelle plateforme, c'est-à-dire que là, vous pouvez prendre votre smartphone et le caster sur votre téléviseur si vous avez une télé connectée ou via une Chromecast, via une box. Aujourd'hui, c'est totalement accessible, votre compte, vous vous connectez depuis n'importe où avec Carafun et clairement, c'est plutôt cool et comme je vais le dire clairement dans cette vidéo, je ne suis absolument pas sponsorisé par aucune des deux marques et ça sera avec plaisir que je le ferai s'ils veulent me sponsoriser. Mais moi, je le dis ouvertement en tant que professionnel, le karaoké est enfin accessible à tous. Et au lieu d'aller dépenser des 50, 30 balles par soirée parce que vous êtes au moins 4-5, hein, je parle d'un groupe de d'amis qui va faire la fête, et ben là, vous pouvez faire la fête chez vous et c'est accessible à tous. J'espère que vous aurez kiffé. Voilà, je vous invite bien évidemment tout de même à vous faire plaisir une fois de temps en temps certains dans des lieux pour pouvoir aussi faire vivre ces établissements-là. Mais aujourd'hui, c'est accessible et il n'y a pas besoin d'être professionnel pour accéder voilà à des du matériel haut de gamme et professionnel. Sur ce, big up Steve H Prod, portez-vous bien. On reparlera de plein de choses dans d'autres vidéos prochainement. Restez connectés parce qu'on va encore parler de matos de ouf qui arrive au studio, qui est là, que vous voyez peut-être pas encore dans le décor. Mais sachez que voilà, ça c'est une dinguerie, j'ai kiffé, je sais pas quoi vous dire, donc vous le trouvez partout. Je vous mettrai les liens bien évidemment hein, du produit sur Amazon. Et puis bah il est dispo en grande surface aussi, je l'ai retrouvé chez Auchan, donc allez voir peut-être dans votre magasin près de chez vous, vous allez peut-être le trouver. En tout cas ici il y est et au même prix, à peut-être 1 ou 2€ de différence, mais bon, ça vous inquiétez pas, ça vaut le coup. Allez, ciao ciao les amis.